Quand j'ai composé commencé à composer des chansons ici même, à la Maison de la Poésie, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, il y a une chanson sur Lhasa qui m'est tombée dessus, qui est arrivée. On a mis Lhasa et elle parle un peu des moments que j'ai pu passer chez elle à Montréal. Et à un moment, elle m'a prêté son appartement parce que il se trouve que Leonard Cohen l'a appelé à Los Angeles. Moi j'étais là, j'étais à Montréal à cette époque. Et elle était très excitée, alors moi aussi forcément, parce qu'elle était évidemment, elle adorait Leonard Cohen. Et puis pour moi en plus, Leonard Cohen et Lhasa, c'était vraiment l'âme de Montréal, quoi. Ça incarnait une espèce de sentiment de liberté, de poésie de ce que peut dégager cette ville. Surtout chez Lhasa d'ailleurs. C'était pas loin du quartier, tout près du quartier où la maison de Leonard Cohen était, qui était toujours sa maison d'ailleurs. Et donc elle est partie là-bas, en ne sachant pas quelle proposition il allait lui faire. Il se trouvait qu'il lui a fait la proposition de devenir sa choriste. Et elle est revenue, elle était un peu bouleversée, parce qu'à la fois, elle aurait adoré être la choriste de Leonard Cohen, et puis en même temps, elle avait des choses à faire par elle-même. Elle ne pouvait pas être la choriste de quelqu'un, qui que ce soit, même Dieu ou Jésus ou Leonard Cohen. Et du coup, elle a refusé. Mais moi, j'ai passé quelques jours dans son appartement tout seul, avec ses grandes plantes, toujours des portraits de tous ses ancêtres, libanais, beaucoup de libanais, principalement, des ancêtres libanais. Et cette atmosphère qu'elle dégageait, et c'était très curieux, parce que quand on entrait dans l'appartement de Lhasa, on était comme avec Lhasa, même s'il n'était pas là. Et du coup, comme on est dans un endroit éminemment littéraire, je suis obligé de lire un texte de Leonard Cohen. Je le lis en français. C'est A Bunch of Lonesome Heroes. Une bande de héros solitaires et très belliqueux fumaient le long de la route en plein air. La nuit était très sombre et très touffue entre eux. Chaque homme portant son fardeau ordinaire. « J'aimerais raconter mon histoire, » dit l'un d'entre eux, si jeune et courageux. « J'aimerais raconter mon histoire avant de me changer en or. » Mais personne ne pouvait vraiment l'entendre, la nuit si sombre, touffue et verte. Je crois bien que ces héros devront toujours vivre là-bas, où toi et moi avons seulement été. Enlève ta cigarette, mon amour. Tu es resté trop longtemps seul. Et plusieurs d'entre nous ont maintenant très faim d'entendre ce que tu as fait de si mal. Je chante ceci pour les grillons. Je chante ceci pour l'armée. Je chante ceci pour vos enfants. Et pour tous ceux qui n'ont pas besoin de moi. J'aimerais raconter mon histoire, dit l'un d'entre eux, si courageux. J'aimerais raconter mon histoire, car vous savez, je sens que je me change en or. »